Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est juste pour nous, rien que pour nous. Promis, nous qui parlons cette belle langue de Molière et qui voulons tout savoir, tout comprendre, si c'est possible. Chers amis, 20 décembre, je voulais dire 20 décembre, à 5 jours de Noël, ben non, 20 mars, à une journée du printemps 2019, 14h48, chers amis, hein, les extraterrestres, les ovnis, l'insolite, c'est aussi, ça fait partie du menu de Freedom News Network. Il y a beaucoup d'intérêt, hein, naturellement, pour ces sujets-là. Et c'est normal. Moi aussi, je suis intéressé, je suis curieux. On est tous curieux. Depuis longtemps, on se promène le nez dans les airs, hein, on se demande ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Et c'est tout à fait normal d'avoir cette curiosité et ces appréhensions-là aussi. Et là, il y a un autre événement qui va satisfaire tous ceux qui sont des adeptes de l'existence de cette vie extraterrestre, qui nous provient de Las Vegas, où un pilote a repéré un ovni dans le ciel, et pendant qu'il parle à la tour de contrôle, il a engagé cette conversation-là, et sur les observations qu'il a faites et qu'il est en train de faire, je vais vous laisser le lien de cette discussion-là, dans la boîte de description. C'est en anglais, mais c'est très, très simple. Puis vous allez voir autour de, je pense que c'est 40 ou 45 secondes où il parle vraiment de ce qu'il voit dans le ciel. C'est vraiment hallucinant. Et c'est de plus en plus fréquent et ça nous vient souvent de plus en plus de gens, hein, de pilotes qui observent, qui sont témoins. Un autre incident étrange dans lequel un pilote a signalé un ovni au contrôle de la circulation aérienne s'est produit le week-end dernier près de Las Vegas. Et c'est vraiment particulier. La rencontre aurait eu lieu dans la soirée du 16 mars 2019, alors qu'un hélicoptère médical volait à environ 15 000 à l'ouest de la ville. Pendant le vol, le pilote a apparemment remarqué quelque chose d'inhabituel, partageant le ciel avec lui, et il a alerté la fameuse tour de contrôle de ce mystérieux intrus. Selon le pilote, il aurait repéré une sorte d'objet à une altitude de 300 mètres, 7000 pieds à peu près, à proximité d'un hôpital situé dans la région métropolitaine de Las Vegas. En ce qui concerne ce que cela pourrait être, le témoin a dit que cela pourrait être un ballon ou quelque chose du genre, et a noté qu'il était éteint. En réponse, le contrôleur l'informe qu'il ne voit rien sur son radar à cet endroit, mais admet que cela ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a aucun objet à cet endroit. Les choses deviennent alors un peu bizarres lorsque le pilote explique qu'il porte des lunettes de vision nocturne et ne peut voir l'objet qu'avec un équipement spécialement conçu à cet effet. Le contrôleur propose alors une réponse plutôt remarquable, émerveillée. « Oh, c'est génial !» Étrangement, l'échange s'arrête là sans aucune résolution quant à la nature de l'objet. Une tentative de creuser plus profondément dans l'événement par le site Web The Drive a donné quelques réponses, telles que l'objet était à environ 9000 de l'hélicoptère, mais ils ont exprimé une certaine perplexité devant la façon dont le rapport s'est déroulé. Depuis la vue d'un ballon utilisé, des lunettes de vision nocturne de loin semblent vraiment discutables. Et malheureusement, la société propriétaire de l'hélicoptère et des employés du pilote ont refusé de répondre à toute question relative à l'affaire. Donc, encore quelque chose de vraiment intéressant qui, naturellement, alimente toujours cette possibilité, hein, d'être visité. Puis entre vous et moi, il y a de plus en plus d'évidence qui porte à croire que ces gens-là ne sont pas fous. Qu'est-ce qu'ils ont vu? On ne le sait pas. C'est des objets non volants, des objets volants non identifiés. Mais il y a de plus en plus de ces témoignages. Je pense que ça va vous mettre sur la piste de quelque chose, mais en tout cas, je savais que c'était pour vous intéresser et c'est pour ça que je vous le partage.